manchette, Saguenay met un frein à l'étalement urbain. Le conseiller municipal Jonathan Tremblay calme les ardeurs des citoyens de la Kénougami et quatre passionnés d'alpinisme à l'assaut du mont Elbrus. Bonjour et bienvenue à ce web journal du 31 janvier 2019. La ville de Saguenay limitera les projets résidentiels sur son territoire. L'administration de la mairesse José Néron a effectivement décidé qu'elle n'autorisera plus les changements de zonage ayant pour objectif de développer de nouveaux quartiers résidentiels. Jasmin Blanchette, qu'est-ce qui explique cette décision? Ce qu'il faut savoir dès le départ, Maïka, c'est que pour le moment, on a beaucoup de quartiers résidentiels qui ne sont pas encore complétés à 100%. Donc, on a encore des maisons où il n'y a pas encore de gens qui habitent dedans et on veut vraiment remplir ces quartiers résidentiels-là avant d'étendre le zonage. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en ce moment, il y a déjà beaucoup d'offres sur le marché de disponibles pour la demande qu'il y a. Ce n'est pas une question de demande qui n'est pas assez grosse, c'est vraiment le fait qu'on a vraiment fait beaucoup d'étalements urbains dans le passé et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve avec beaucoup de possibilités. L'offre est également suffisante à la demande du marché qui vient de l'extérieur de Saguenay. Je vous fais entendre le conseiller municipal Simon-Olivier Côté, ce qu'il avait à dire là-dessus ce matin. Il y a plusieurs terrains qui restent vacants. Des fois, ça fait 5, 6, 7, 8, 10 ans qu'ils sont vacants. Fait que là, l'idée, c'est d'essayer de remplir ces trous-là. Puis éventuellement, quand on aura moins un peu, bien là, on ouvrira du nouveau développement domiciliaire. Et est-ce que c'est une décision définitive? En fait, pour le moment, on est dans un contexte, si on veut, de décroissance ici à la ville de Saguenay. Donc, pour le moment, on reste concentré sur vraiment réduire l'étalement urbain. Pour toutes sortes de raisons. Tout d'abord, lorsqu'on fait beaucoup d'étalement urbain, les services deviennent plus chers à la ville de Saguenay. C'est évident. Si la population est plus loin, eh bien, les services vont devoir se rendre plus loin. Donc, ça va coûter plus cher à la ville de Saguenay. Donc, c'est d'abord une question de finances. Et puis, il y a aussi le fait que, comme je disais précédemment, on tente de consolider des quartiers où il n'y a pas encore nécessairement la population nécessaire. On veut vraiment se concentrer sur les quartiers qui ont poussé dans les dernières années avant de continuer à faire de l'étalement urbain. Je vous fais encore une fois entendre M. Côté à ce propos. Il faut toujours qu'il y en ait beaucoup de disponibles quand même. Il n'y a pas de temps, ça va dépendre de, s'il y a un gros boom économique, il y a plein de maisons qui se construisent, on va rouvrir ça, c'est sûr. Et Jasmin, est-ce qu'il y a un problème de marché? Non, au contraire, le marché se porte très bien en ce moment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si on se fie à la Chambre immobilière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le nombre de transactions immobilières entre l'année 2017 et l'année 2018 a augmenté de 11 %. Alors, c'est déjà une bonne croissance, c'est une des bonnes dans la province de Québec. Et si on regarde en décembre 2018, il y avait 1547 maisons à vendre au Saguenay. Donc, on peut voir qu'il y a un bon choix de maisons déjà en place. On n'a pas nécessairement besoin d'encore faire un plus gros étalement urbain. Et le prix médian des maisons est de 174 000 $. Alors, on n'a pas vraiment de problème immobilier en ce moment. C'est pour éviter d'en avoir un dans le futur qu'on a décidé d'agir comme ça. Merci, Jasmin. Ça m'a fait plaisir. La MRC ne devrait pas dire non au projet d'Ariane Phosphate. C'est ce qu'a fait savoir le maire de la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, Laurent Thibault. Laurent Thibault croit fermement que la compagnie responsable de ce projet aura des valeurs éco-responsables. Un investissement important sur notre territoire qui pourrait créer de l'emploi, hein, revitaliser et diversifier notre économie qui est basée pratiquement uniquement sur le tourisme. Si on ne développe pas l'économie régionale ou même l'économie nationale, comment on va pouvoir se payer des systèmes d'éducation ou des systèmes de santé? Le règlement sera présenté le 12 février. Le président de la Commission des finances, Michel Potvin, a annoncé hier soir que la ville de Saguenay songeait à revoir le budget accordé à Diffusion Saguenay. Cette décision survient quelques semaines seulement après avoir diminué l'aide financière accordée à Promotion Saguenay et à la Société de gestion de la zone portuaire. En attendant l'option de la politique, la ville de Saguenay a tout de même versé un premier montant de 450 000 $ à Diffusion Saguenay, représentant ainsi le tiers de sa subvention annuelle. Les élus de la ville étudieront la possibilité au courant des prochaines semaines. L'entreprise Produits forestiers résolus complète son année 2018 avec un bénéfice net de 308 millions de $ canadiens, et ce, malgré la baisse du prix du bois d'œuvre au quatrième trimestre. Le président et chef de la direction de l'entreprise, Yves Laflamme, considère ainsi que la dernière année a été très bonne pour PFR. M. Laflamme, originaire de Lac-Saint-Jean, a d'ailleurs complété la première année de son mandat.
Logement Trade a demandé à Saguenay d'effectuer une étude de viabilité concernant l'édifice qui abritait l'ancien hôtel de ville de Kénogami pour faire naître la coopérative d'habitation La Solidarité. Le cabinet de la mairesse affirme être en train d'étudier les options pour le bâtiment depuis mai 2018. La coordonnatrice de Logement Trade, Sonia Côté, aimerait avoir une réponse rapide de la ville pour débuter l'étude. Ça nous éclairerait, puis en même temps, ben ça n'engage pas la ville. Au contraire, là, c'est de voir un peu plus clair dans cet immeuble-là, est-ce qu'on peut, oui ou non, fonder la coopérative d'habitation de la solidarité. Madame Côté ajoute qu'il n'y a eu aucun échange entre les deux parties depuis l'arrivée de José Néron à la mairie de Saguenay. De toute manière, on n'a jamais eu de rencontre avec la mairesse de Saguenay depuis son élection, alors peut-être que ça sera une opportunité pour pouvoir la rencontrer. Après La Terrière et Chiffchat, c'était au tour des citoyens de Lac Kénogami de se mobiliser mercredi soir afin de faire le point quant aux récentes hausses de taxes. Cette fois, la rencontre d'information de plus de 3 heures s'est déroulée dans le calme. Le reportage de Josiane Jonf. Plus d'une centaine de citoyens ont répondu présents à la demande du conseiller du Lac Kénogami mercredi soir. Jonathan Tremblay a voulu s'adresser aux gens mécontents afin de tenter de leur expliquer la situation. Les citoyens du secteur, comme ceux de La Terrière et de Chiffchat, se plaignent de payer trop cher pour le peu de service qu'ils reçoivent. Je comprends votre questionnement, puis tout le monde se la pose. Mais je pense qu'il y a un moyen de faire les choses parce que les gens, ils veulent les services aussi, puis c'est important de donner les services aussi de loisirs à la population. Mais je comprends. Après plusieurs explications sur la hausse des taxes dans le secteur, le conseiller a ajouté que le concept d'harmonisation des taxes municipales assure que le taux imposé soit proportionnel à la valeur d'une propriété, et ce, de façon équitable partout dans la région. Il a mentionné également que le taux restera le même pour 3 ans. Présentement, la valeur immobilière au lac Kénogami est de 235 000 $, soit 3 000 $ de moins qu'à la dernière évaluation. Il y a plus d'appels présentement pour des gens qui demandent pourquoi leur maison a baissé. Une fois de plus, la hausse du salaire des conseillers a soulevé de la grogne auprès de la population. M. Tremblay a tenté d'expliquer que l'augmentation de 66 % était complètement fausse. Il a mentionné que c'était un emploi à temps plein, qu'il ne faisait pas pitié, mais qu'il prenait son emploi à cœur et travaillait très fort afin de faire avancer les choses. Les citoyens du lac Kénogami s'attendent à des résultats de la part de leur conseiller, Jonathan Tremblay. Ici Joséanne Jonf, ATM, Saguenay. À quelques mois des élections fédérales, les producteurs de lait du Québec s'attendent à des compensations financières dès cette année. Après avoir subi 3 nouveaux accords commerciaux, les agriculteurs demandent des dédommagements dès le prochain budget fédéral pour les pertes financières dans le secteur agricole. Les producteurs ont également dû gérer l'impact du nouveau guide alimentaire dans lequel les produits laitiers occupent une place beaucoup moins importante. Tous ces réajustements suscitent beaucoup d'inquiétudes chez les jeunes producteurs qui hésitent à investir dans le domaine pour le moment en raison de l'avenir des plus incertains. Un projet de coopérative pour le milieu agricole est présentement à l'étude. Les producteurs laitiers souhaitent attirer de la main-d'œuvre spécialisée afin d'offrir un peu de répit aux agriculteurs propriétaires de leur entreprise. Pour l'occasion, mon collègue Jannick Aymon a rencontré l'administratrice des producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Vicky Boily. Donc, Madame Boily, bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, quel est l'objectif de cette coopérative? La coopérative, c'est parce qu'il y a un besoin criant en agriculture, mais même partout sur la main-d'œuvre. Mais l'agriculture a un concept un peu particulier, là. Les grosseurs d'entreprises font qu'il y a plusieurs entreprises qui ne sont pas capables d'avoir des gens à temps plein. Puis, c'est des entreprises qui sont difficilement délaissables juste une journée ou deux. Donc, quand il y a des congés ou des problèmes de maladie, on a besoin d'employés occasionnels qui sont au courant du domaine. Puis, Justement, est-ce qu'il y a peut-être une détresse psychologique qu'on détecte chez les agriculteurs? Oui, on en parle beaucoup dans ces temps-ci, mais c'est présent depuis plusieurs années. Quelle est la demande principale que vous voulez répondre chez les agriculteurs avec cette coopérative? Avec la coopérative, c'est beaucoup la maladie. Mais ça peut être maladie mentale, quelqu'un qui a besoin d'une semaine de répit ou des accidents de travail. C'est très fréquent dans le domaine agricole. Donc, c'est un peu pour pallier à plusieurs aspects des besoins agricoles
que ce soit régionalement ou en grandeur du Québec. Comment est-ce que vous allez répondre, en fait, à la demande sur un grand territoire comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, on va y aller par petites zones. Parce que le but, c'est de trouver des employés compétents. On va leur établir un territoire distinctif pour pas que le territoire soit trop élargi. Puis, ça va être de trouver la bonne ressource avec le bon nombre de producteurs pour être capable de rapatrier un peu toute la main-d'œuvre nécessaire. OK. Est-ce que vous avez des solutions pour attirer de la main-d'œuvre? Oui, on va avoir des programmes. On va leur offrir un bon salaire compétitif, il va y avoir des assurances. La formation va être primée là-dedans, puis on va former que ce soit des jeunes ou des gens avec beaucoup d'expérience. Ils vont être formés, puis épaulés là-dedans. Les gens, ils ne sont pas tout seuls dans l'organisation. On sait que la relève n'est pas vraiment présente au niveau de l'agriculture, des producteurs et tout ça. Est-ce que l'immigration pourrait être une solution? L'immigration va être une solution, oui, mais dans un certain... c'est pas les immigrations qui vont permettre l'augmentation du nombre de fermes qui vont gérer les entreprises. Fait que le manque de relève, c'est le manque de gestionnaires, c'est le manque de personnes motivées. Puis aussi, le manque de relève, c'est aussi l'incertitude du gouvernement. Les entreprises sont de plus en plus grosses. Puis, il faut bien épauler les jeunes là-dedans. Et avec le nouveau guide alimentaire et aussi l'arrivée sur les tablettes, en fait, des produits américains, laitiers américains, quels sont les nouveaux défis auxquels vous faites face? Bien, les produits laitiers sont encore dans le guide alimentaire canadien. Tout ce qu'on a constaté, c'est que ça a été redivisé comme il faut. Puis, les nouveaux défis, ça va être de continuer à prévaloir les bienfaits des produits laitiers. C'est un bon gras, il y a plein d'études là-dedans. Fait que ça, on n'a pas d'inquiétude là-dessus. Mais ça va être d'aider de nous prévaloir de nos produits, avoir de l'imagination pour aller percer un... Vraiment être à l'écoute du consommateur, des nouvelles générations, puis c'est ça qu'il faut être attentif, puis d'être capable de tirer notre épingle du jeu tout en promouvant les bienfaits du lait. Puis de quelle façon ça affecte les producteurs présentement? Le nouveau guide et ainsi que l'arrivée des produits américains. Bien, l'arrivée des produits américains, c'est sûr que ça nous fait perdre des parts de marché. On a été un peu vendus par le gouvernement pour accommoder d'autres secteurs d'activité. Puis le comment que ça nous affecte, c'est les baisses de... On a beaucoup de baisses de quantité. Puis aussi, la tendance des consommateurs fait que on consomme un peu plus gras notre lait qu'avant. Puis on consomme plus de yogourt qu'avant. Fait que les besoins changent, c'est de s'adapter à tout ça. Puis, c'est des enjeux c'est de s'adapter beaucoup avec les consommateurs. Donc, je m'entretenais aujourd'hui avec Mme Vicky Boily, administratrice des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mme Boily, merci beaucoup. Merci. L'aspect social de l'immigration dans la région sera mis en valeur dans la nouvelle capsule « Ici plus, ailleurs », présentée par Porte ouverte sur le lac et le collectif des femmes immigrantes. On peut écouter la chargée de projet à Porte ouverte sur le lac, Mariana Grekoff, à ce sujet. C'est pour mettre en valeur un peu l'immigration. Dans ces cas, pas nécessairement en tant que main d'œuvre, mais en tant un peu humaine, un peu plus sociale. Mm-hmm. Donc, dans la capsule, on va avoir un peu de diverses implications citoyennes de personnes immigrantes. Le lancement a lieu ce soir au Café communautaire L'Accès à Alma, dès 17h. Le réalisateur Bodgan Stéphane sera également sur place. C'est dans l'objectif de développer l'autonomie des jeunes de la région que la Fondation pour l'enfance et la jeunesse a organisé pour une deuxième édition l'activité Au sommet pour la jeunesse. Les avocats Julien Bouliane et Charles Quentin, ainsi que leurs deux amis David Asselin et Jérémy Boivin, devront escalader le mont Elbrus en Russie. Le reportage de Marc-William Gagné.
De toutes nous autres, tous les expéditeurs, c'est une place de la Russie qui nous intéresse beaucoup, beaucoup. Ça fait longtemps qu'on rêve de ça. C'est en raison de leur passion pour le plein air que les quatre expéditeurs ont décidé d'escalader le mont Elbrus, la plus haute montagne d'Europe. Cependant, plusieurs obstacles se brousseront sur leur chemin. Ils devront, entre autres, s'adapter au froid extrême et au manque d'oxygène. Fait qu'en ce moment, c'est beaucoup d'entraînement à l'extérieur. Raquettes, ski de fond, ski alpin aussi, parce qu'on va probablement faire une section en ski. Fait que, grosso modo, là, c'est ça qui fait partie de notre entraînement là, présentement. Le public est invité à faire un don et à acheter des mètres du Mont Elbrus au coût de 5 $ sur le site web de la Fondation pour l'enfance et la jeunesse. Pour l'instant, le projet a permis d'amasser un montant de 15 000 $ sur un objectif d'environ 30 000. L'argent amassé permettra de financer plusieurs autres activités. Ça peut être des projets de groupe, ça peut être aider pour un permis de conduire, ça peut être une aide pour les jeunes qui quittent les services pour aller en appartement. Ça peut être un cours pour développer le potentiel d'un jeune, les accrocher à quelque chose de positif. Cette ascension est possible grâce à plusieurs partenaires financiers, dont l'organisme sans but lucratif Kiwanis Jonquière. L'ascension du Mont Elbrus en Russie se fera du 3 au 10 juin prochain. Ici Marc-William Gagné, ATM Nouvelles, Saguenay. C'est sous le thème « Toujours dans le vent » que se déroulera le 12 et 14 avril prochain au Centre Multisport d'Alma la 30e édition du Salon 50+ et les Jeux de la Fédération de l'âge d'art du Québec. Plus de 800 personnes sont attendues pour le niveau compétitif et 8000 pour le Salon 50+. Marie-Lou Bonenfant, à quoi peuvent s'attendre les membres de la FADOC concernant ces Jeux? Eh bien, Maïka, cette année, 14 disciplines sont présentées pour les participants qui proviennent de partout à travers la région, qui seront là pour disputer l'or, le bronze ou l'argent. On parle de compétition de grosses quilles, de fléchettes au mur, de Scrabble ou encore même de pétanque. C'est 800 personnes, comme vous l'avez mentionné, oui, qui seront attendues et qui peaufinent leur technique depuis déjà quelques mois pour pouvoir rivaliser contre des membres de la FADOC. Et Marie-Lou, quel est le mandat du Salon 50+? Eh bien, elle a pour mandat d'amener de l'information à des personnes âgées de 50 ans et plus pour répondre à des questions qu'elles peuvent avoir concernant leur qualité de vie. Ce sera donc 75 exposants qui seront sur place pour parler de finances, de santé, de voyages ou encore même de loisirs. Y aura-t-il des éléments nouveaux durant l'événement? Eh bien, cette année, il y aura une nouveauté. Ce sera un simulateur de conduite automobile qui est un don de la Fondation CAA. Ce genre d'initiative enchante grandement le directeur général de la FADOC, Patrice Saint-Pierre. On va justement l'entendre à ce sujet. 30 ans après, il faut toujours trouver des façons d'innover. Et c'est ce qu'on a, je pense, réussi encore cette année à amener des éléments nouveaux pour permettre à la clientèle, à nos membres et aux gens de 50 ans et plus d'avoir accès à un événement de qualité qui va avoir un impact sur leur qualité de vie, mais qui va avoir un impact aussi sur leur quotidien. Et concernant les conférences et les spectacles, à quoi pourront assister les 50 ans et plus, Marie-Lou? Eh bien, cette année, la FADOC sort grandement des sentiers battus avec un spectacle qui répond peut-être à des exigences un peu plus jeunes. Un groupe intitulé Black Sag qui rendra hommage à Pink Floyd, oui. Et notamment, les conférences, on parle de 40 conférences présentées durant les 3 journées avec des conférenciers connus, dont l'avocate écrivaine Kim Thieu ou encore José Boudreau, l'animatrice télé et radio. Et oui, pardon, on va aller écouter justement le maire d'Alma qui est là pour féliciter les installations qui sont là pour pouvoir accueillir depuis 30 ans déjà les Jeux de la FADOC et le Salon 50+. Et on a des équipements d'ailleurs qu'on a mis de mieux en mieux à la ville d'Alma qui desservent très bien ce genre d'activité-là. Le centre multisport, on doit dire que ça fait l'envie de beaucoup de municipalités au Québec. La vente des billets est actuellement en cours sur le site web de la FADOC au coût de 5 $. Marie-Lou Boulenfant, merci. Ça m'a fait plaisir. Les 12 participants de Cégep en spectacle du Cégep de Jonquière dévoileront au grand jour ce soir le fruit de leurs efforts à la salle François Brassard. L'organisatrice de cette 40e édition, Jade Turcotte, a rencontré mon collègue Mathieu Bédard plus tôt ce matin pour lui parler de la finale locale. Bonjour Jade. Bonjour. En quoi consiste exactement un Cégep en spectacle? En fait, c'est un spectacle de variété qui se donne un peu partout au Québec, dans différents Cégeps. On commence par la finale locale, en fait, qui est ici, après ça, régionale, puis après, nationale. Donc, en fait, on a de toutes sortes, du chant, de la danse, de leur oratoire. Je dirais qu'on a la chance, en fait, de voir beaucoup de talents, nous autres ici au Cégep de Jonquière, mais un peu partout aussi au Québec, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est quoi le prix final relié à Cégep en spectacle? En fait, c'est des sous.
Nous, ici, on a décidé de donner de l'argent aux participants, mais à la fin, aussi à la finale nationale, ils gagnent de l'argent. C'est une bourse de la part de Desjardins, en fait. C'est la 40e édition cette année. Sentais-tu avoir une certaine pression supplémentaire? Oui, quand même. En fait, on a essayé de faire ça un peu plus gros, essayer de le souligner d'une manière originale par l'animation, mais aussi, moi, pour ma part, c'était quand même plus stressant parce que c'est moi qui étais, en fait, au lead de cette... de ce spectacle-là cette année. Donc, oui, c'était une plus grosse pression pour moi. Puis, vous avez fait deux générales cette semaine. Oui. Est-ce que tu es fière du résultat et des participants qui vont être à ce genre de spectacle? Oui, vraiment. En fait, la générale technique a très bien été. La générale hier aussi a très bien été, en fait. Mais comme on dit, mauvais général, bon show. Hein? Fait que, aujourd'hui, en fait, on est vraiment confiants. Puis, on sait que les participants sont prêts aussi pour l'animation. Et puis c'est Étienne Danault qui va faire la deuxième partie du spectacle. Pourquoi avoir choisi cet humoriste? En fait, c'est quand même cocasse, mais l'organisatrice en fait, de la vie étudiante du cégep de Jonquière, Jennifer, connaissait Étienne. Puis nous, on l'avait dans nos choix, puis elle a dit que ça serait super intéressant de la voir. Puis il est déjà venu dans les années précédentes, donc nous, on a pensé en fait, de le souligner puis de le faire revenir. Puis il connaissait aussi les participants qui vont participer ce soir. OK. Puis c'est ta deuxième et dernière année au sein de l'organisation. Oui. Comment tu te sens à l'approche du spectacle ce soir? Je suis quand même nostalgique, je dirais. Mais j'ai surtout hâte, en fait, que ce soit fini. Hein. C'est triste à dire, mais de donner, en fait, les rênes à Rachel, en fait, mon assistante. C'est ça. J'ai un petit pincement au cœur, mais en même temps, je suis fière parce que j'ai réussi à le faire. C'est justement un projet sur lequel tu travailles depuis très longtemps. As-tu hâte de montrer le résultat à tout le monde du cégep et tous les spectateurs qui vont être là? Oui, vraiment. En fait, j'ai hâte de leur montrer qu'est-ce qu'on a réussi à faire, notre petite équipe de quatre. Oui, j'ai vraiment hâte, en fait, qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'on a fait tout ensemble. Puis, avez-vous réussi votre objectif dans la vente de billets? Oui, on a plus vendu que l'année passée. En fait, je suis allée à l'encrier avant hier pour savoir où est-ce qu'on était rendu. Puis la madame était super surprise. Elle m'a dit hey, on a réussi à en vendre encore plus que l'année passée. On doit être rendu à peu près 200 déjà de vendus. De mon côté aussi, j'en vends les participants. Donc, on devrait avoir une salle quand même pas pire remplie. Salle remplie, c'est qui les principaux spectateurs? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir davantage d'étudiants ou des parents? Je dirais que c'est plus des étudiants, même beaucoup de gens d'ATM, parce que les participants, c'est majoritairement des gens d'ATM. On a une personne qui n'est pas en ATM cette année, dans les participants. Sinon, il y a quand même des parents qui viennent. En fait, là, les gens qui sont du Saguenay ou les gens qui peuvent se déplacer viennent. Mais on a aussi cette année, bien, l'année passée aussi, on l'avait, mais il y a Sport en direct qui sont avec nous. Okay. Donc, on a le show qui est diffusé sur Internet. Donc, les gens peuvent le voir aussi de chez eux. Y a-t-il une raison pourquoi c'est davantage de participants provenant d'ATM? Non, pas vraiment. On a beaucoup de talent ici, selon moi. Donc, c'est pour ça que ça va comme ça, en fait. OK. Est-ce qu'il y a des prix à faire tirer durant la soirée de Cégep en spectacle? Oui, on a un prix, en fait, du Village Vacances Petit Saguenay à remettre. C'est une nuitée de 2 jours pour 4 personnes d'une valeur de 450 $. Fait que c'est quand même un très beau prix. Pouvez-vous me rappeler un peu, c'est où, quelle heure et quel prix Cégep en spectacle a lieu? En fait, c'est ce soir à la salle François Brassard, 19h30. Le prix des billets est 5 $ en prévente jusqu'à 15h, puis sinon à 8 $ à la porte. Bien, Jade Turcotte, merci beaucoup. Merci. Le département Arts et technologies des médias collaborera avec l'École du rock de l'École du Roseau. La directrice adjointe des études en ATM, Hélène Roberge, explique que les élèves de l'école vivront à chaque semaine une expérience en lien avec le monde du rock. Publicité, maquillage, théâtre, vidéo dont l'objectif est de livrer leur spectacle à la fin de l'année scolaire. Par exemple, montrer aux profs comment enseigner la publicité aux élèves. Et les élèves aussi vont pouvoir venir faire leur production, leur spectacle. Hein? On sait que c'est de la musique rock. Donc, ils vont s'installer dans un de nos studios et la captation va se faire par les élèves en télévision. D'après Mme Roberge, le projet commencera en début février avec une visite des élèves au département ATM. En plus d'être le mois de l'amour, février est aussi le mois de la sobriété. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe débute dès demain et invite les gens à amasser des fonds afin d'offrir des ateliers de prévention des risques liés à la consommation d'alcool, de cannabis et des autres drogues dans les écoles secondaires. L'humoriste Jay Du Temple sera le porte-parole de l'édition 2019. On peut l'écouter. Moi, je suis un gros fan de juste avoir du fun dans la vie. Tu n'as pas besoin d'alcool pour avoir du plaisir nécessairement. Puis je trouve ça important aussi de le rappeler. Tu sais, dans une bonne crowd quand même d'ados, de jeunes adultes. Mm-hmm.
de promouvoir ça aussi, dans le sens où tant mieux si t'es capable de prendre un verre et t'amuser, mais si t'es capable de le faire en plus à jeun, c'est ça la vie, là, la majorité de la vie, c'est ça. La pêche blanche et l'hiver québécois seront au cœur d'un épisode de l'émission française « Des racines et des ailes ». L'équipe de tournage suivra notamment le président de l'organisme Promotion Pêche, Rémi Aubin. Au cours des trois prochaines semaines à Baie-Éternité, dans le Parc national du Fjord du Saguenay, et ce, dès demain. On l'écoute. Le but, c'est de montrer à des millions de personnes dans le monde entier la convivialité, l'accueil légendaire des gens du Saguenay, puis de montrer aussi notre produit d'appel en hiver. La pêche blanche, c'est un produit d'appel unique. Le tournage se poursuivra également à Québec à l'automne prochain. Notre journaliste Émilie Gagnon est allée visiter l'école d'obéissance canine du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon l'intervenant en comportement canin, Carl Gagné, il y a autant de travail à faire de la part du propriétaire que de celle de l'animal pour assurer une bonne éducation. Voici son reportage. Tous les chiens méritent d'avoir une bonne éducation et tous les propriétaires méritent de savoir comment travailler avec leurs chiens. C'est ce que pense l'intervenant en comportement canin, Carl Gagné, qui pratique sa passion depuis plus de 5 ans. Il soutient que l'éducation du chien demande du travail, de la patience, mais surtout du temps, et ce, autant de la part du propriétaire que de l'animal. J'amène les gens à montrer à leur chien, regardez, il faut décortiquer chaque chose pour pouvoir améliorer votre chien. C'est entre 2 et 4 mois que l'animal aura plus de facilité à apprendre. Après 4 mois, il évoluera, mais ça lui demandera un peu plus de travail. Amenez-le à vouloir travailler avec vous, travailler avec des récompenses, travailler avec des stimuli. Renforcement positif. Renforcement positif. Il est essentiel qu'un lien de confiance se crée entre le propriétaire et l'animal. Selon l'éducateur, les relations saines et harmonieuses sont la base d'une bonne éducation. L'animal pourra évoluer adéquatement et dans le respect. Je veux que le chien coopère. Je veux que le chien ait du plaisir. Je vais lui demander un assis. Il va être content de le faire. En consultation, il développe des techniques personnalisées et les met en pratique avec le propriétaire. Carl Gagné soutient que le travail doit essentiellement se poursuivre en tout temps. Passe. Le propriétaire de Whisky, Marc-André Lévesque, trouve important d'apprendre à son compagnon de bons comportements. Pour le plaisir de soit marcher, soit aller en public, quoi que ce soit, faire toutes les activités qu'on peut faire avec un chien, puis qu'on ait du plaisir un l'autre en se promenant, puis que soit agréable. Mais c'est vrai que c'est super. Assis. Oui, bon chien. Ouais. Le comportement du canidé doit être bien compris par l'humain. L'intervenant précise que l'animal ne peut être approché à tout moment puisque l'environnement du chien doit être respecté. Oh, le bon chien, voilà, il est le bon chien. Regarde, il ne trippe pas. Lorsque les oreilles du chien s'abaissent, l'animal se sent en danger. Dans une telle situation, le chien réagira selon sa personnalité. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement pour améliorer mon chien. Ça, c'est important. Puis, tout le monde doit travailler pareil. S'il y a une personne qui travaille d'une façon, une personne qui travaille d'une autre façon, ça peut arriver qu'on ait des complications. Les débats entourant les chiens dangereux sont omniprésents dans la société actuelle. Mais une question se pose. Faut-il vraiment blâmer nos compagnons canins ou plutôt changer notre comportement envers eux? Ici Émilie Gagnon pour ATM Nouvelles Saguenay. Un incendie a enflammé le McDonald's du boulevard Marcotte à Roberval. Les flammes se sont déployées aux alentours de 21h50 hier soir. Des dommages évalués à 150 000 $ ont été déclarés. Le restaurant devra fermer ses portes pour un temps indéterminé. Des sollicitations de jeunes filles motivées par de mauvaises intentions auraient cours dans diverses régions du Québec par des agences de mannequins via Facebook. C'est ce qu'a fait savoir la commission scolaire des Rives-du-Saguenay qui met en garde les parents. Il leur est donc conseillé d'aborder avec leurs enfants le sujet de l'utilisation sécuritaire des médias sociaux. Des rappels concernant des règles de base à observer en ligne seront faits par la commission scolaire. Et maintenant, à la météo, Eliane Pilote, il faudra se tenir au chaud car un avertissement de froid extrême menace la région. En effet, Maïka, pour la région du Saguenay, ce soir, des températures allant jusqu'à moins 21 degrés, ressenti moins 32 avec un ciel variable. Pour la nuit prochaine, moins 23, ressenti moins 35.
Pour ce qui est de la région du lac Saint-Jean, vous devrez vous couvrir également, puisque ce soir, des températures allant jusqu'à moins 22 ressentis, moins 33. Pour la nuit prochaine, moins 23 avec des ressentis de moins 36, toujours avec un ciel variable. Avertissement de froid extrême partout dans la région. On vous rappelle donc l'importance de considérer les risques d'engelure et d'hypothermie. Mais rien ne vous empêche de profiter des joies de l'hiver, simplement bien se couvrir. Eliane Pilote, ATN Nouvelles, Saguenay. Cela conclut notre webjournal du 31 janvier 2019. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Au revoir.